cette journée très très riche en partage. Bon, un petit peu sur le rythme du marathon, hein, puisqu'on a vu, on a vu plein de retours d'expérience. Et donc, voilà, je suis ravie parce que je suis persuadée que c'est bien dans le partage qu'on arrive à innover. Ravie d'être ici aussi dans cet espace. Cet espace qui est vraiment à la fois ouvert, convivial et qui nous ouvre à la réflexion. Bon bah c'était une excellente journée, hein. Déjà une journée qui s'est déroulée en deux temps, un temps partagé entre les collaborateurs, les référents innovation du groupe BPCE. Ça nous a permis d'échanger, d'avoir pas mal de retours d'expérience et de voir toutes les initiatives qui étaient menées dans le groupe en matière d'innovation et transformation digitale. Et puis l'après-midi, ça a été un partage justement avec les équipes de Capgemini Prosody sur les différentes choses qu'on a pu découvrir dans vos labs et puis les différents ateliers qu'on a pu auquel on a pu assister, et donc ça a permis également un temps de partage et un temps d'échange autour de ça. Dans les innovations qu'on a vues aujourd'hui, moi j'ai beaucoup aimé tous les retours d'expérience autour des laboratoires d'innovation, des process de transformation d'idées, ces choses-là. Alors c'est lié au fait que c'est un sujet sur lequel moi je vais travailler dans le cadre du projet qu'on a sorti des challenges innovation de BPCE. Mais ce retour d'expérience des uns et des autres sur ce qu'ils ont fait, comment ils le font, ça m'ouvre des perspectives de gens avec qui rediscuter d'une part, et puis des perspectives d'aller vite sur ce qu'on peut faire, puisqu'on va voir où ils en sont, comment ils l'ont fait, donc le retour d'expérience, le partage. Je suis venue parce que je participais à la challenge innovation du groupe BPCE, et donc on est venu pour présenter notre expérience, notre vécu, et donc j'ai adoré, surtout toute partie présentation, mais en même temps les ateliers, c'était vraiment, vraiment top, ça ouvre les horizons, ça permet de sortir de notre quotidien aussi. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Peter. Ah. Tu peux me serrer la main ? Je ne sais pas encore te serrer la main, mais on peut se faire coucou. J'ai vraiment vu un robot, j'ai vu ce qu'il était capable de nous apporter. En fait, et c'est toujours intéressant de voir un petit peu en avance de phase ce que la technologie, ce que la technique peut nous apporter. Moi, je suis en caisse d'épargne et pas dans l'IT. Et donc, c'est toujours intéressant de voir en avance où en est la techno pour imaginer les usages de demain. Moi, ça m'ouvre à d'autres marchés. Parce que je suis sur le marché de l'entreprise, donc là j'ai découvert qu'il y avait donc des sujets sur la partie banque de détail qui sont aussi très très importants, hein, dans notre business model à nous. C'était ma première dans le cadre des référents innovation. On se rend compte en fait que les bleus, les rouges, on est tous confrontés aux mêmes défis. Et moi qui travaille au quotidien avec des startups dans le cadre de mes fonctions à la Caisse d'épargne, je pense qu'on est tout à fait dans le juste. Maintenant, avoir les théories, maintenant c'est plutôt la pratique qui va compter et la mise en œuvre au plus près de nos collaborateurs de tous ces sujets d'innovation. En fait. Ces journées sont le reflet de cette richesse, de cette ouverture vers l'extérieur en venant chez vous et simplement aussi de l'exploitation de nos richesses internes en parlant de tout ce qui se passe bien chez nous dans le groupe BPCE. Merci encore. People matter, results count.